Voilà, donc grâce au site Avis Sportif, j'ai eu la chance de tester le casque de vélo Senna X1, que j'ai donc eu en bleu marine. Mais bon, toutes les couleurs m'ont l'air assez sobres et assez identiques. Sa particularité, c'est qu'il est connecté en Bluetooth, et donc on peut l'utiliser pour écouter de la musique, pour répondre aux appels. Vous voyez, en fait, on a des petits haut-parleurs ici et ici. Donc, ça gêne pas trop sur la route. On entend bien l'environnement quand même, parce que moi, je trouve que c'est hyper important. Je fais du vélo pour aller au travail. Et, voilà. Les boutons sont hyper accessibles. C'est vrai qu'en hiver, on peut se demander si les gants vont pas gêner, mais je pense pas. La connexion s'est faite super facilement. Voilà. Alors, son gros défaut, je trouve que c'est l'esthétique. C'est vrai que quand on le met sur la tête, vous pourrez le voir sur les photos, on a quand même une tête de champignon. Et puis, c'est vrai qu'il est un petit peu lourd. Alors, je vous ai sorti mon casque que j'ai actuellement pour vous montrer quand même la différence. C'est vrai qu'il aurait mérité un peu d'aérodynamisme juste pour l'esthétique. Et puis pour la légèreté, j'imagine que c'était difficile de faire mieux vu qu'il est connecté. Voilà, sinon c'est un super casque, il est aux normes CE, etc. Et l'idée est vraiment super sympa.